Le chaudron magique. Le fermier Gopi était bien triste en visitant son champ. C'était déjà l'été et aucune de ses semences n'avait poussé. Ce n'est pas possible. Mon champ est toujours aussi vide. Pas le moindre grain de blé à récolter. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir? Si je ne peux pas livrer de récolte au palais, je vais avoir des problèmes. Un jour, alors que Gopi labourait désespérément son champ désert, sa pioche heurta un objet dur. Qu'est-ce que c'est que ça? En continuant de creuser, il découvrit un gros chaudron dans la terre. Qu'est-ce que ce chaudron fait dans mon champ? Il n'y a rien à l'intérieur. Gopi était contrarié d'avoir fourni autant d'efforts pour rien. Il jeta sa pioche dans le chaudron et alla se reposer sous un arbre. Après une petite sieste, il voulut reprendre sa pioche pour rentrer chez lui. Et il vit qu'il y avait une centaine de pioches dans le chaudron. Hein? Mais comment est-ce possible? Je n'avais qu'une seule pioche tout à l'heure. Gopi vida les pioches du chaudron, puis il déposa sa pelle à la place pour voir. Tout à coup, 100 pelles apparurent comme par magie. Oh, mais alors, est-ce que ce chaudron serait un chaudron magique? Oh, c'est incroyable! Gopi n'en revenait pas. Il emporta le chaudron dans sa maison. Il prit un œuf de poule et le déposa dans le chaudron. Aussitôt, le chaudron se remplit d'œufs de poule. Je n'arrive pas à y croire! Puis il mit une pomme dans le chaudron, puis du pain. Et le chaudron magique donna à Gopi des centaines de pommes et de pain. Je n'ai plus à me soucier de mes pauvres récoltes maintenant. Je n'ai plus qu'à aller vendre toute cette bonne nourriture au marché du royaume. Chaque jour, Gopi emportait les produits du chaudron au marché du royaume. Et chaque jour, il vendait de nouvelles choses. Un jour, des tissus. Le lendemain, des légumes frais ou encore des haricots secs. Tout ce qu'il mettait dans son chaudron magique était multiplié. D'autres marchands, jaloux de son succès, se plaignirent de Gopi à un soldat du roi. Le lendemain, le soldat suivit Gopi en secret. Ce matin-là, Gopi mit un poussin dans son chaudron magique pour aller en vendre au marché. En un instant, des centaines de poussins sautèrent du chaudron. Le soldat n'en revenait pas. Des centaines de poussins couraient en tous sens. Et l'un d'eux retomba dans le chaudron, donnant naissance à une autre centaine de poussins. Il y en avait partout, sur Gopi, sous les meubles et même dans son assiette. Le soldat alla immédiatement raconter au roi ce qu'il avait vu. Le roi ordonna qu'on lui amène sur le champ le fermier et son chaudron. Gopi se présenta devant le roi et celui-ci décida de lui confisquer son chaudron. Le pauvre Gopi était très contrarié. Laissez-moi regarder de plus près ce merveilleux chaudron magique qui va pouvoir multiplier mes richesses. Le roi s'approcha du chaudron magique et se pencha au-dessus. Majesté, attention, soyez prudent! Mais le roi perdit l'équilibre et tomba tout droit dans le chaudron magique. Non! Le roi est tombé dans le chaudron, c'est une catastrophe! En quelques minutes, 100 nouveaux rois s'étaient déjà créés. Les soldats ne savaient plus à qui ils devaient obéir. Les rois se battaient pour le trône, chacun prétendant être le vrai souverain. Je suis le seul vrai roi. Non, c'est moi. Je suis le vrai roi. Non, c'est faux. C'est moi le vrai roi. Assez. Le vrai roi, c'est moi. Quand Gopi comprit le danger que le chaudron magique pouvait représenter, il se glissa hors du palais en emportant le chaudron avec lui.
Il monta tout en haut d'une falaise et jeta le chaudron magique dans le vide. Le chaudron se brisa en morceaux et disparut. À partir de ce jour, le champ de Gopi donna à nouveau des récoltes. Et le fermier se dit que les plus belles récoltes étaient celles qu'on obtenait par soi-même, sans avoir recours à la magie.